welcome to Absent Bros, and this week we're at Bière Garden. And I'm switching in French because I'm with Emily from La Petite Bière. Bonjour! Donc, Emily, bienvenue à Absent Bros. C'est pas longtemps qu'on a pas fait de vidéo. Puis là, c'est fun, on est au Bière Garden. Puis on va faire une dégustation de bière. On rentre un petit peu dans le line-up parce qu'on est déjà avec la 1. Et la 2. Mais dans le fond, j'apporte Emily parce que dans le fond, c'est une spécialiste de la bière. Certifié, c'est Surround. C'est pas rien. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va discuter bière. On va parler bière, mais on va parler de dégustation de bière. Puis quoi de mieux que commencer avec une pils? Est-ce que tu veux introduire la bière à nos. Ben, dans le fond, introduis-toi vite fait pour ceux qui connaissent pas la petite bière. Parce que dans le fond, c'est quand même pas pire connu. Juste une petite affaire. Je te réponds quoi? J'oserais que ça me gêne. Rapidement, c'est ça. Je dirais que je suis une experte bière qui est très active sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, name it. Et j'aime ajouter ma touche artistique et colorée qui est faite par mon conjoint Carl Thério, qu'on ne voit pas, qui est off-cam. Mais voilà, donc j'apporte ma couleur tout en parlant de ce qui me passionne, c'est-à-dire le fashion puis la bière. C'est bon. Fait que dans le fond, Émilie, première bière qu'on a, on a une Pils d'inspiration tchèque, brassée par la brasserie Ayawan. Qui est juste à côté ici. Je pense que ça se marche, c'est 5 minutes. Après, on ira boire là après. Je pense que ça n'arrivera peut-être pas. Mais bon, Ayawan va être en entrevue sur le channel aussi. Soit avant ou après, je vais les avoir en vidéo, on ne sait pas. Mais allons-y dans cette bière qui est à ma foi très, très, très phénoménale en apparence. La couleur est super belle. Oui, puis il y a un beau petit voile là. Exactement. On dirait que, tu sais, il y a beaucoup qui disent genre du cold haze à cause du froid. Mais clairement non, il y a un genre de petit haze qui est dans la bière et non qui est... à cause du verre, côté clarification. Bon, ça, c'est très important de faire ça avant de déguster. Ça hydrate, ça tient, crème solaire. C'est ça, exactement. Mais c'est plein de vitamines aussi. C'est vrai! C'est antioxydant puis tout. Oh, et c'est super bon pour la santé. Fait que, Émilie, ton analyse de la bière? Ouais, c'est ça. Mais au début, quand je l'ai senti, j'ai fait « Oh, ça va goûter! » Ça me fait un peu penser à une pilsner, mais allemande. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment genre à l'eau, les céréales. Ouais, mais t'as aussi, je trouve, un côté grassy qui sort sur le nez. Un petit peu, oui. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est plus comme en bouche que ça se passe. C'est tout là que ça se passe. Ben, ouais. J'ai pris ma première gorgée avant qu'on parte de la caméra, puis j'ai eu comme un « wow » qui s'est passé. J'aime vraiment le blend céréalier qui se passe là-dedans. Vraiment, vraiment. Ah ouais, c'est tout délicat, c'est ultra rafraîchissant. Les bulles sont crisp, sont fines, c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est minéal un peu aussi, je trouve, herbal. Exactement. Puis je trouve que ça vient juste comme donner un petit côté-là à la fin, puis vient juste arrondir l'amertume au milieu, que ça soit genre sec. Même avec la pilsner, ça ressort souvent le côté sec. Mais le côté minéral vient juste comme adoucir ça. Oui, tout à fait. Je veux pas dire que c'est fumé non plus, mais je trouve que j'ai quand même un petit vibe. J'avoue, hein, genre gratisseur quasiment, là. Tu sais, comme c'est juste, ça plane au-dessus, genre tranquillement. Mais c'est peut-être juste moi. Mais t'as raison. Regarde, je suis pas expert, mais des fois... Ben en fait, tu sais, chaque personne a des perceptions différentes, t'sais, à un moment donné. Je pense que c'est ça aussi la beauté de la bière, tu sais. Ouais. Je veux dire. Puis les goûts aussi, tu sais. C'est clair. Ah, waouh, il y a le aftertaste quand tu. Quand tu expires, là. Ça goûte le pain frais, je trouve, là. Toi, tes étapes de dégustation, ça ressemble à quoi quand tu dégustes une bière? T'en as parlé récemment dans un de tes posts, t'as donné des petits trucs, je trouve que c'est vraiment cool pour quelqu'un qui est pas habitué d'écouter la bière. On dirait que comme moi, je le prends par réflexe, c'est comme je fais ça avec mon jus d'orange maintenant, alors c'est juste pas drôle. Fait que toi, c'est quoi tes habitudes quand tu écoutes la bière? Ben, écoute, longtemps, je trouvais que les gens étaient têteux avec ça, mais prendre un verre adéquat, tu sais, mettons comme ça, ça aurait peut-être été mieux dans un verre plus long, plus fin, les bulles vont s'estomper beaucoup plus vite dans un verre comme ça. Puis c'est ce genre de bière-là, il y a tellement peu d'arômes que... C'est comme ça faut que tu le concentres. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis après, comme on fait depuis tantôt, sentir, ça c'est sûr, c'est sûr. Moi je suis dit ça, elle me crisser le nez tellement vite dedans que j'ai souvent de la bière qui me rentre dans le nez. Genre que j'ai de la mousse sur le nez tout de suite en partant. Non, il faut que tu la goûtes avec ta bouche, pas avec ton nez. Je le sais, mais à chaque fois je suis juste comme trop excité, je suis comme
Ah, oh, man, t'as de la mousse. De la mousse, pas de la mouche, mais de la mousse direct. Oui, c'est ça. Puis toi, un peu, j'ai tout ton truc. Ouais. Le poil facial, c'est pas ce qu'il y a de plus fantastique. Non, il me parlait de ça, lui, des fois, qu'il y avait une moustache. Ouais. Tout pogne là-dedans, les odeurs, là, tu sais, comme faut tout le temps que tu sois en train de te nettoyer. Les mâtons de smoothie, tu sais. La 11, tu traîneras une napkin. Je vais prendre une bavette, je pense. Ouais, carrément. Une bavette autour de ton visage. Je vais demander une paille. Ah, ben c'est oui! C'est comme l'affaire en un swirl. C'est full fancy. C'est vraiment fancy. Mais oui, donc sentir, ben tu sais, c'est ça. Le verre adéquat, après, quand là, tant que ton nez peut rentrer dans ton verre, t'as un bon verre dans le fond. Ouais. T'sais. Un verre en ballon comme ça, souvent, tulipe. Émilie a parlé de verres plus coniques parce que la Pilsner, on parle souvent des verres comme traditionnels, ils sont servis comme plus sur le long. On veut mettre la mousse en valeur. On parle de Pilsner check, c'est sur le tap check, etc. Ah! Et, hey, j'en rêve encore. C'est vrai que t'es allé, toi? Non, je suis jamais allé. Ah non, c'est vrai, c'est pas là que t'es allé. Non, mais c'est quand on en a un à brasser, fait que je l'utilise constamment, genre, chaque fois. Ah ouais? Ouais, petite France. Oui. Tu l'as vu. Mais quand tu reviens au tabac. Ouais, c'est ça, là, il y a beaucoup de nouveautés, là. C'est incroyable. Il y en a trop. C'est vrai. Puis ensuite, qu'est-ce que tu regardes quand tu viens? Comme moi, je me suis fait un petit système, mais toi, ton petit système pour un peu. Mettre de l'avant des bières que tu préfères ou des bières que tu préfères pas. Comme moi, en fond, à chaque fois que je goûte une bière d'un certain style, ça se passe dans mon échelle de style, dans ma tête. C'est vraiment wack, ok? Puis, si c'est meilleur que qu'est-ce que j'ai déjà bu, ouais. Mettons une gauze. Ouais. J'ai genre mon top 3. Là, ça reste dans le top 3. Si ça passe pas le top 3, je l'oublie facilement. Mais si je goûte meilleur que mon top 2, là, ça rentre dedans. Fait que je sais pas toi comment tu classifies ça toi dans ta tête pour garder un ordre un peu sur tes références. C'est ça que je voulais ajouter avec ma question trop compliquée. C'est une Christie de bonne question, puis je me rends compte que sur certains styles, je vais avoir des. Comme je pense à la Ghost, la Ghostbuster, là, justement, ouais. Moi, cette Ghost-là, puis la déclinaison qu'ils en ont fait, là, la comme session, si tu veux, au melon d'eau. Là. Puis ils ont même une sans alcool à cette heure. Fait que ça, j'aime ça, c'est vraiment. Mais pour d'autres styles, comme mettons les bières, les New England IPA, il y en a trop. Là, je peux pas avoir un top 3. Ouais. Fait que je te dirais que ça, j'ai pas tant de structure à ce niveau-là. Mais je prends définitivement des notes sur ta manière de fonctionner parce que c'est une bonne idée, en fait. Je l'ai remarqué par moi-même parce que j'ai des discussions tout le temps comme est-ce que je vais sur une table pour m'en rappeler qu'est-ce que je bois ou pas. À un moment donné, j'ai juste pas le temps de le faire. Comme je testais ça, je le faisais. Mais là, je voulais que ça soit bien fait, que j'écrive toutes mes notes, ta-ta-ta-ta-ta. Quand même que t'as l'air pas pété plus haut que le trou, mais sur une table, ça paraît bien de faire ça des fois. Fait que dans le fond, je suis plus sur un tap à cause de ça. J'ai pas le temps de péter plus haut que le trou. Mais ça reste que, comme tu sais, cette Pilsner-là, elle fit littéralement dans mon top 10, je trouve. Juste parce qu'elle a une belle complexité. Moi aussi, je trouve ça vraiment important. Je pourrais pas te dire mon top 10 direct, là. Ben, écoute, je t'ai coupé dans ton dé, mais ouais. je ne dirais que ceci. Si une bière, pour moi, est trop unidimensionnelle, c'est souvent un facteur qui va faire que je vais la laisser. Tu sais, comme souvent, mettons, les Berliner Weiss, OK, mais dis-moi en plus, tu sais, comme... Souvent, c'est ça, je trouve, qui se passe avec les Pilsner, tu sais. Ben, souvent. C'est nouveau que je capote ces Pilsner puis ces Lager, là, tu sais, comme, Lager étant... Mais en tout cas, bref, c'est ça, fait que c'est récent, puis c'est ça que je vois, tu sais, comme les West Coast. Faut que ça soit équilibré, faut qu'il y ait une symphonie, faut pas qu'il y ait juste un instrument qui joue tout seul, sinon c'est comme... C'est comme un bon band. Ouais! Tout le monde joue ensemble. Ben oui! Exact! Mais c'est drôle que tu soulèves ça, parce qu'on a des amis en Floride chez Calusa Brewing, à Sarasota. Puis Ed, qui est le manager là-bas, il fait toujours des comparaisons entre la bière puis la musique. Comme les quatre ingrédients principaux, c'est un bend, puis ça c'est la bass, puis ça c'est le... Tu sais, comme il est vraiment fort, puis il a envie de penser à ça, puis c'est vrai! Il y a beaucoup de parallèles à faire avec la musique. C'est vrai, comment ça faire ça? Ça serait fou, hein? Dans la description, c'est juste après ça que tu fais les instruments, tu disais comme « ah, emoji ». Oui, c'est ça! Donc là, il y a un petit peu de cordes, puis après ça, il y a un peu de percussion. Une origine là, c'est genre deux trompettes, un drum. Puis de la bass! Ben de la bass! La bass, c'est important dans la musique. Ouais, c'est vrai. Tout le monde oublie le bassiste tout le temps. C'est vrai, hein? Le bassiste tout le temps.
temps. C'est essentiel. Puis c'est rare les bands qui réussissent. Tu sais, comme il y a The Black Keys, puis je pense maintenant, il y en a un. Ben, c'est, mm-hmm. Avant, ils ont commencé sans, puis tu vois, regarde, ils n'ont pas eu le choix. Là. Il me semble qu'à ce soir, il y en a un. C'est pas Dead From Above que c'est juste un bassiste. Ça se peut, en plus j'allais voir en show, faudrait que Carl il m'aide là. C'est ouais. Lui le grand ouais. Mélomane. Oh man, je m'ennuie des shows. Mais là, comme là, festival de la bière. Ben pas festival, on va dire événement oui, de bière. Oui! Post-COVID. Comment tu feels? Écoute! Vous m'avez bien senti dans vos oreilles. Écoute, je m'en venais ici avec Carl tantôt, puis on était comme. J'étais tout énervée, j'étais là, voyons! Tu sais, qu'on dirait que genre, je viens de faire 26 heures d'avion, genre, comment je me sens. C'est comme, mais tant mieux, parce que tu sais, ça te fait apprécier comme, je vais dire, la simplicité, tu sais. Ben oui. Ben, parce que pour nous, le Québec, je veux dire, c'est pas exotique, puisqu'on y est né et on y vit, mais ouais. C'est ça, ça rend le local exotique, ça rend. Ça donne un deuxième souffle à tout, c'est. Comme le motel que je suis, il y a une piscine, je me sens comme merde. Littéralement. C'est ça pareil! Oh, c'est comme c'est bed, c'est beau. Puis en même temps, j'ai jamais été stressé ou je sais pas. J'avais tellement de papillons dans moi de venir ici. Mais moi, c'est pareil. C'est ça, je dis à Carl, je suis comme, voyons, pourquoi je suis fébrile demain? Oui, c'est ça! Pas bu de bière, c'est déjà malade. J'ai mangé un croissant d'attitude, je me sens déjà. Non, mais je te comprends, ça nous a fait le même effet. Bon, on va rapper ça en beauté avec cette beau chose-là. Émilie, merci d'être là. Je pense qu'il va falloir que tu viennes plus souvent sur le channel. On switch en français 100%, c'est Émilie qui va s'occuper de ce bout-là. Émilie, c'est la collaboratrice. Oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai besoin de mon co-host. Ouais, non, non, co-host. Je pense que je te donne le nom. Mais tu vas falloir changer Hobbs & Bros pour quelque chose d'autre parce que dans le fond. Hobbs & Bros & Bras. On a juste pas rajouté. Le ouais, brainstorm est lancé. On n'est pas genre. T'es pas comme Team Fuck Brasseur, quelque chose comme ça? Non. Ah. Ouais, ben oui, mais je veux dire bras. Ah non, c'est une version un peu slang de bro en fait, bra. Fait que je suis. Ouais. Ah, regarde, on va brainstormer là-dessus, certains. Mais si vous voulez suivre Émilie, mais dans le fond, pas voulez, mais allez suivre Émilie, tout va être dans la description en bas, vous allez pouvoir regarder ça. Émilie a une super belle page Instagram qui est. La Petite Bière. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu peux pas vraiment manquer du temps que tu as su déjà, sûrement. Mais ça reste que. Est-ce qu'il y a d'autres places que les gens peuvent te trouver? Parce que tu as un channel YouTube. Oui. Aussi. Et tu es sur Twitter, mais. Je suis sur Twitter, mais je comprends pas vraiment comment ça marche. Fait que je tag jamais personne. Je fais des posts. Mais... Parce que ça a l'air qu'il faut être sur Twitter, mais j'avoue que c'est le réseau social que je saisis le moins bien de la gang. Yeah. En toute honnêteté. Hein. On n'est pas là pour s'arracher les cheveux. Ben on aime la bière, exact. Pas les réseaux. Je suis déjà à sec, fait qu'il va falloir jumper dans la prochaine déjà. Fait qu'Emily, ouais, il y en a déjà une qui s'en vient, mais ça, on se garde ça pour. Ok, bon, on va écouter tout de suite. Ah oui? Ouais. Vite fait, bien fait. Ah ouais, on fait ça devant Cam. Quinte, ouais. Hey, c'est pas vous niaiser. Santé. Yes. Merci, Émilie. On se revoit dans la prochaine. Cheers. Yeah. T'as fait ton...